Bonjour, la fonction tracer est apparue avec l'application web et mobile d'AutoCAD 2022. Désormais, avec AutoCAD 2023, vous pouvez ajouter des tracés dans la version bureau d'AutoCAD. Cette fonction tracer vous permet d'ajouter des commentaires et des annotations à vos dessins et de partager avec vos collègues lorsque vous travaillez dans un cadre de projet collaboratif. Cette information peut être affichée ou non, mais ils sont enregistrés avec le fichier. Voyons comment on ajoute des tracés au dessin. Pour celui-ci, il faut aller dans Onglet Collaborer, Palette Tracés. Ensuite, vous avez ici la possibilité de cliquer sur Créer un tracé. Par défaut, AutoCAD va créer le tracé 1, que bien sûr, on peut le renommer. Là, on va ajouter l'information à notre dessin. Donc, je vais coller une information que j'ai déjà préparée ici pour modifier le sens d'ouverture de cette porte-là. Donc, pour cela, je vais valider ici cette information. Et puis, éventuellement, on peut renommer celui-ci. Je vais mettre modifier ouverture. Voilà, cette information il sera visible par d'autres personnes lorsqu'ils vont cliquer sur ce tracé. Bien sûr, ce tracé est enregistré dans une couche virtuelle de votre dessin. Donc, merci et à bientôt pour d'autres nouveautés d'AutoCAD 2023.